Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les titres de l'actualité. Une convention a été signée entre le port de Djibouti et le MENFAP. Dans l'actualité internationale, concernant la crise ukrainienne, et bien cette nouvelle séquence diplomatique qui a lieu à Brest. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par la soirée de consécration de remise de trophées qui a lieu hier soir au Kembinski Palace Hotel. La soirée gala parrainée par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a vu la participation de membres du gouvernement. Cette cérémonie unique rendait hommage au succès et réussite des Somaliens de tout horizon et reconnaît des modèles de rôle inspirants dans leur domaine, que ce soit dans le domaine des affaires, le travail social, le sport, l'éducation et autres. Une soirée haute en couleurs, une occasion de se rencontrer, de créer des liens dans une ambiance de plus en plus conviviale dans ce lieu de fête qu'est le Kempinski Palace Hotel. Chacun a pu se détendre et profiter au maximum de la nuit au rythme de la musique des différentes animations de cette soirée. Avec un orchestre qui a mis une euphorie totale au rythme des grands titres somalis sans frontières qui ont marqué les esprits. Et le moment fort de la soirée a été la remise des trophées. En sport, cette année, le trophée a été remis à Abdelhakim Abdelkarim Abdallah, élu sportif de l'année. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, le trophée a été décerné à Beydan, une compagnie de café qui s'installe un peu partout. Pour le parcours éducatif de l'enseignement, ce trophée a été remis à Awale Ahmed. Et Madame Hawa Mohamed s'est vue décerner un trophée pour sa contribution pour la communauté. Et le trophée pour l'innovation a été remis à Wafi. Le prix des arts et spectacles a été remis à Sana TV. Le prix de l'excellence pour l'ensemble de ses réalisations a été décerné à Adan Farah. Et enfin, l'entrepreneuse Fathia Idlé s'est vue décerner le prix spécial de reconnaissance. Dans le reste de l'actualité, le ministre du Budget, Ismaïl Ibrahim Roblé, continue sa tournée de prise de contact. En effet, le nouveau ministre du Budget, accompagné de son secrétaire général, Simon Mebratou, s'est rendu hier à la direction des domaines de la conservation foncière. Le directeur de cette institution, Hussein Mahmoud, les membres de son équipe ont accueilli le ministre. Une présentation au ministre des membres de l'équipe technique des domaines a ensuite eu lieu dans la salle de réunion de cet édifice situé au sein de la résidence Frocola. Rappelons que l'édifice de la direction des domaines et de la conservation foncière compte 101 personnels, dont 44 cadres et techniciens. La visite s'est poursuivie, notamment la direction du budget. Au programme de cette visite de contact du ministre, cette direction compte une vingtaine de cadres ayant tout rang confondu, chef de service, le directeur du budget, Othman Sadir, les membres de son équipe, la sous-directrice de la programmation budgétaire, le sous-directeur des études. La direction de la comptabilité publique était la dernière étape du programme de cette tournée de visite du ministre du Budget. Dans les directions, la DCP gère environ une soixantaine d'établissements publics à caractère administratif ou EPA, les établissements publics à caractère industriel et commercial, et ou EPIC et des fonds. Eh bien, notamment la DCP a réalisé l'audit des comptes de ces établissements publics et vise leur conformité depuis plus d'un an. La DCP s'est adjoint une centaine d'expertises dans le domaine de la conformité de la gestion d'ensemble des établissements publics et plus particulièrement
le contrôle des systèmes d'information. Nous allons revenir pour vous sur cette interview que nous a accordée le secrétaire général du ministère du Budget, Simon Mobiratou, à 15h, et qui a porté sur la tournée du nouveau ministre du Budget, Ismaël Ibrahim Roblé, mais aussi les mesures fiscales phares dont fait partie la loi de finances 2022, dont notamment son article 7. Il est rappelé que l'article 15 du Code général des impôts concernant le barème des impôts sur les traitements et salaire, l'ITS, qui a été modifié. Regardez. Le nouveau ministre du Budget, son Excellence Ousmane Ibrahim Roblé, a effectué donc une visite de tournée. C'est une prise de contact, une visite de prise de contact dans les différentes directions. Et dimanche, la semaine a commencé avec dimanche avec la chaîne des dépenses publiques, notamment donc la direction de l'exécution budgétaire, la direction du contrôle des dépenses, la direction de la trésorerie générale et la direction de la dette publique. Et donc autour de d'hier même, effectivement, puisque dans la semaine, il y a eu d'autres tournées également, notamment des directions des études juridiques, des directions des ressources humaines et la direction du système informatique. Et hier matin, c'était la grande journée également de la chaîne, le volet recettes. Et hier matin, donc, c'était la direction générale des impôts qui constitue un maillon important dans la stratégie de développement et d'optimisation des recettes intérieures. Donc, la direction générale des impôts et ensuite la direction générale des douanes et des droits indirects. Ce sont ces deux grandes directions qui constituent, il faut le rappeler à ceux qui nous suivent, que ce sont ces deux directions qui constituent une grande partie, je le dis bien, plus de 70% des recettes intérieures de l'État. Ce sont avec ces deux grandes directions, je ne dis pas que ce sont exclusivement, mais c'est essentiellement avec ces deux grandes directions que les recettes de l'État sont optimisées et permettent de financer les dépenses. Dans l'après-midi, c'était autour de la direction générale, aujourd'hui c'est une direction générale, des domaines et de la conservation foncière. Trop d'informations tue l'information, on dit souvent. Il y a beaucoup de malentendus sur cet article-là. L'article 7 de la loi des finances du budget de 2022 est bien précis. Les barèmes de l'ITS, puisque je dois le rappeler, les barèmes de l'ITS ont été modifiés déjà dans la loi de finances 2021. Dans la loi de finances 2022, les barèmes de l'ITS qui ont connu un changement concernent deux tranches de salaire. Je le précise très bien, il faut bien essayer de suivre. C'est la tranche de 150 000 à 300 000. Parce qu'il faut peut-être clarifier, avant, jusqu'à présent, c'était une seule tranche de 150 000 à 600 000, c'était un taux de 20%. Okay. Aujourd'hui, nous avons scindé en deux. De 150 000 à 300 000, on passe de 20 à 22%. Et de 300 à 600 à 25%. Donc, au lieu d'avoir un seul taux, une seule tranche avec de 150 à 600 000 à 20%, nous avons scindé en deux tranches. Et le reste des barèmes reste inchangé. Donc, il faut vraiment être très clair là-dessus. Aucun autre changement. Et ça, c'était surtout, nous trouvions normal et logique même que celui qui gagne 600 000 ne soit pas taxé quand même de la même manière que celui qui gagne 150 000. Donc, nous avons scindé en deux, mais le reste sans changement. Peut-être ce qui peut causer, prêter à confusion ou à peut-être à mauvaise interprétation, parce que la loi de finances, nous l'avons constaté, elle circule un peu partout dans les réseaux. Okay. Mais par contre, ce qu'il faut remarquer, c'est que la loi de finances est un document aussi à la fois technique. Elle peut circuler, mais la comprendre, l'ingurgiter et tout autre. C'est-à-dire que peut-être les gens voient souvent des tranches en disant de 0 à 50, il s'agit d'un taux de 2% et ainsi de suite, de 30 à 50 000, 12%. Non. Mm-hmm. Nous maintenons toujours en dessous de 0 à 50 000, il n'y a pas de ITS. Ça, ce sont les méthodes de calcul et qui sont reflétées dans le Code général des impôts qui sont mentionnées dans la loi de finances, mais ça ne veut pas dire que nous allons retaxer, nous allons revenir sur la décision du gouvernement de taxer les bas revenus. Donc rien n'a changé, si ce n'est, comme je le répète, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de scinder en deux entre 150 et 300 000 et en 300 000 et 600 000. Au lieu d'avoir une seule tranche de 150 à 600 000. Voilà, de manière claire, sur la partie ITS.
Dans le reste de l'actualité, une importante cérémonie de signature d'une convention de partenariat entre la Direction générale de l'enseignement technique, formation professionnelle et le Djibouti Port Community System s'est déroulée ce jeudi 13 janvier au MENFOP. Le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, a remercié l'importante délégation du port composée de son directeur, Warsama Mohamed, et des opérateurs, dont M. Ahmed Mohamed Ali, du directeur des ressources humaines, Dr. Saïd Yassine. Il a rappelé l'appui indéfectible du port qui accompagne constamment le MENFOP dans ses activités. Ses remerciements destinés également au secteur privé, notamment l'association des transitaires djiboutiens, représentée par le directeur général de la société de transit, M. Roble Abdullahi, et de l'association des transporteurs routiers. A noter également la présence de Dilleta Sultan Mohamed, du directeur des transports du ministère de l'équipement et du transport, qui il a été notamment annoncé la création d'une version didactique de la plateforme numérique entièrement dédiée à la formation des formateurs, mais également des jeunes apprenants du bac pro logistique, transport et opérations douanières, mais également ceux de la licence de logistique. Et l'implémentation de cette plateforme est guidée par les besoins de la communauté portuaire avec laquelle nous travaillons en étroite collaboration pour mettre en place les différentes fonctionnalités. Aujourd'hui, la plateforme DPCS est devenue un médium de soumission de la documentation réglementaire incontournable pour la communauté portuaire et logistique de Djibouti. Dans le cadre de cette convention, c'est un honneur pour nous, à la Djibouti Port Community System ou de l'autorité du port des zones franches, de mettre à la disposition de la Direction générale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle une plateforme clone du système entièrement dédiée à la formation professionnelle des filières logistiques de nos lycées techniques. Je ne saurais terminer mon propos sans adresser mes vives félicitations et celles de la communauté portuaire au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, à Monsieur le secrétaire général du ministère, au directeur général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, M. Abdelkader Mohamed Abdelkader, et son équipe. Mes remerciements vont aussi aux partenaires, au cabinet Aftral, à Mme Juliette Bainville, pour les efforts qu'ils ont déployés pour parvenir à la signature de cet accord. Au secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, il a rappelé l'appui indéfectible du port qui accompagne, a-t-il dit, constamment le MENFOP dans ses activités. Moi, leur adresser tout d'abord les remerciements du ministère, les remerciements du ministre, de moi-même, de la direction générale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. C'est toujours un plaisir de voir que, ensemble, nous pouvons conjuguer nos efforts pour arriver à des résultats qui puissent bénéficier à nos jeunes compatriotes. L'objectif étant celui-là, c'est comment apporter les maximums de formation et des qualifications, mais aussi des compétences, parce qu'on parle dorénavant des compétences, à nos jeunes compatriotes pour qu'ils puissent s'insérer dans la vie socio-économique et qu'ils puissent apporter leur contribution au développement du pays. Et c'est ça la motivation principale du ministère et c'est sa mission en termes dans le domaine de la formation professionnelle. Je me réjouis aujourd'hui de voir que nous allons signer une convention de partenariat qui nous permettra de travailler ensemble et dans ce domaine donc de la logistique transport, parce que c'est un domaine porteur, c'est un domaine qui peut aussi contribuer fortement à la croissance économique du pays. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités a, dans le cadre de sa tournée, s'est rendue dans la localité de Moulit. À la suite d'un accueil chaleureux, riche en couleurs, en musique, en émotions, la ministre Loufa Ismaël Abdo a échangé avec la population de Mouloud. Plusieurs personnalités ont tour à tour pris la parole pour mettre en lumière l'importance en termes d'impact de projets sociaux qui ont été exécutés dans ce secteur du pays. En effet, il est à noter qu'afin de réduire la pauvreté et la vulnérabilité de la communauté, la DDS a entrepris la construction d'un réservoir
milliards d'eau, de 3 000 litres, 24 latrines dans les habitations appartenant aux familles vulnérables de ce village, ainsi que deux abreuvoirs pour le bétail. Un autre programme d'envergure qui a fait la force des Mouldois est le fameux programme filets sociaux de sécurité qui a indéniablement contribué à l'amélioration du cadre de vie de plus de 200 femmes allaitantes et enceintes. Les Mouldoises ont usé de ce programme pour créer des activités génératrices de revenus et ainsi se prémunir contre la pauvreté. Et en prenant la parole, la secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatouma Moussa, est également intervenue pour remercier la population de Mouloud pour son accueil chaleureux. Elle a aussi tenu à passer un message de salutation de la première dame et présidente de l'UNFD, un message accueilli positivement par les habitants de Mouloud. Elle a rappelé que l'UNFD était disposée à renforcer ses projets déjà en cours dans leur localité. La population de Mouloud était nombreuse à intervenir au cours de cette rencontre avec la ministre des Affaires sociales à l'occasion de la Semaine nationale de la solidarité. Les habitants ont d'abord tenu à remercier la ministre et le département des Affaires sociales pour les réalisations et notamment le programme de transfert monétaire pour beaucoup, représente une bouffée d'oxygène. Après avoir longuement écouté les doléances, la ministre des Affaires sociales, Mme Oulouf Ismaël Abdo, a tenu à apporter les réponses à ces sollicitations, dont un constat sans équivoque, les merveilleuses réalisations de Mouldois. La ministre Oulouf Ismaël Abdo a sans détour fait l'éloge de ce village qui, sans l'ombre d'un doute, a réussi le tour de force de prendre en main le cours de sa destinée. Mouloud illustre, a-t-elle dit, parfaitement le thème de cette nouvelle semaine nationale de la solidarité qui, rappelons-le, indique notamment la politique de lutte contre la pauvreté et vers davantage d'autonomisation. Direction l'Arabie Saoudite où le ministre de l'Énergie est chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, reçu en marge de sa participation aux travaux de la future minérale summit par son homologue saoudien, son Altesse, le prince Abdelaziz bin Salman Al Saoud. En effet, accueilli au salon d'honneur à sa descente d'avion dans la nuit tard par le secrétaire général du ministère de l'Énergie de l'Arabie Saoudite, le haut responsable djiboutien, les membres de sa délégation ont participé à la table ronde préliminaire ayant regroupé les ministres des énergies, des mines, des pays membres de la Ligue arabe. Au nom du gardien des deux lieux saints, le ministre de l'Industrie et des Ressources minérales, Bender Ben Ibrahim, a inauguré mercredi le forum sur les minéraux au futur au King Abdelaziz International Conference Center à Riyad. Le ministre a saisi cette occasion pour demander à son homologue, le prince Abdelaziz Ben Salman Al Saoud, de transmettre les salutations et les vœux de bonne année de la part du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh au roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Face à la recrudescence de cas de Covid-19, la police nationale a entrepris aujourd'hui, en fin d'après-midi, une vaste opération de sensibilisation sur le port obligatoire du masque dans les transports publics. En effet, depuis plusieurs jours, le nombre de cas positifs connaît une ascension fulgurante dans notre pays. C'est pourquoi la police tient à informer la population que désormais le port de masque est obligatoire dans tous les véhicules de plus d'une personne. Ainsi, il est porté à la connaissance de la population djiboutienne que le port du masque est obligatoire dans tous les transports en commun et les véhicules personnels. En effet, le port de masque dans les transports est un moyen efficace pour la prévention, la lutte contre la COVID-19 et avec bien sûr la vaccination. C'est dans ce sens que plusieurs barrages routiers ont été installés dans les grandes artères de la capitale pour sensibiliser la population au port de masque qui est désormais obligatoire dans les transports en commun et les véhicules personnels.
Cette fois au point de presse sur l'évolution de la situation de COVID-19, au point de presse qui nous est fait régulièrement par le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Saleh Banoïtatoura. Nous avons enregistré un nombre considérable de personnes diagnostiquées positives au virus de la COVID-19. Heureusement, cette nouvelle vague ne se traduit pas par une hospitalisation importante et ou la gravité de la maladie. Les hospitalisations liées à la COVID-19 sont encore faibles. Aucun patient atteint de virus de COVID-19 est en soins critiques. Combien de temps serons-nous encore sur une pente ascendante des cas de COVID-19 sans répercussions hospitalières? Nous le saurons peut-être d'ici la fin du mois. Quant aux données épidémiologiques, elles se déclinent ainsi pour ce jeudi 13 janvier 2022. 87 personnes déclarées guéries. Nous avons réalisé 1028 tests et 139 personnes sont revenues positives. 676 personnes sont vaccinées en 24 heures. Le bilan global de la pandémie depuis 2020, nous avons réalisé 265 599 tests, 14 680 personnes sont diagnostiquées positives, 13 842 cas sont déclarés guéris et nous avons vacciné depuis le début 101 297 personnes. Et nous avons enregistré depuis le début de la pandémie, 189 décès. Restons vigilants, protégeons-nous et protégeons les autres en appliquant les mesures barrières et en nous vaccinant. Merci. Le CEM d'Obok a organisé hier une cérémonie de remise des tables d'honneur et les différents cadeaux pour 75 lauréats du premier trimestre. Cette cérémonie a vu la participation du préfet de la région de Bok, Abdelmalik Mohamed Bonouta, le président du conseil régional, Mohamed Hamad Ismail, le chef des services régionaux du MENFOP, Hamadou Ali, des parents d'élèves, des enseignants, ainsi que les invités de marque du jour que sont les lauréats de cette cérémonie. La cérémonie a été ouverte par le principal du collège, Hassan Omar Dato, qui a remercié les participants en les félicitant, notamment en félicitant les lauréats qui sont les plus méritants, a-t-il dit, de ce trimestre. Les responsables de la région, le représentant du MENFOP, ont tour à tour pris la parole en félicitant tous les lauréats. Par la suite, ils ont décerné aux lauréats les prix en leur récompensant et récompensant notamment les 5 enseignants.
enseignants qui se sont distingués durant ce trimestre pour leur dévouement, leur participation active à l'amélioration de la qualité des enseignements, apprentissage au profit des élèves du CM de Bock par une attestation de reconnaissance. Et en prenant la parole, le président du conseil régional de Bock ainsi que le préfet de la région, Abdelmalek Mohamed Bonetta, ont félicité les lauréats. Pour nous, le fait qu'on organise une journée pareille, à savoir la récompense des élèves qui se sont illustrés durant le premier trimestre, c'est un signe d'encouragement. C'est un signe d'encouragement pour l'élève, c'est un signe d'encouragement pour les enseignants. Et c'est un signe d'encouragement également pour les parents des élèves. Donc aujourd'hui, pour nous, l'éducation, c'est une pépinière. C'est une pépinière où il y a des enfants qui vont émerger. Ces enfants, et parmi ces enfants, parmi cette jeunesse, il y aura forcément dans des jeunes avec le temps qui vont s'illustrer au niveau national. Et aujourd'hui, le fait que vous organisez une journée pareille, c'est très important pour l'élève. Et nous, en tout cas, moi, en tant que président du conseil régional de Bock, j'adhère à cette vision, j'adhère à cette idée d'encourager les jeunes. Et comme on le dit si bien, hein, donc après les pains, c'est l'éducation, nous nous battons pour que vraiment donc, l'éducation soit à la hauteur dans la région. Aujourd'hui, les enfants que nous allons récompenser, ces enfants qui se sont illustrés durant ce trimestre, ont un challenge à tenir. Il faudra également qu'au second semestre, donc, il soit à la hauteur. Mais ce sera également un encouragement pour les élèves qui ne sont pas aujourd'hui dans cette salle et qui seront forcément donc, motivés lorsqu'ils verront donc, cette cérémonie donc, à la télévision. Donc, ça va les motiver. Cela me réjouit aujourd'hui de voir votre implication, de voir l'initiative aussi de la direction, parce que c'est une nouveauté, je pense, ici. Moi, j'étais à Tadjoura, il le faisait régulièrement. Et je félicite le principal du collège de Bock pour cette initiative. J'espère que cela va continuer et que les lycées ou les lycées techniques vont aussi organiser ce genre d'initiative parce que ça permet de motiver à la fois les enseignants, mais également les élèves. Et moi, je promets ici, et c'est ce que j'avais fait à Tadjoura, c'est l'élève ou les élèves qui auront pour le second trimestre une note de 19, moi je vais les primer. Je vais leur donner un cadeau spécial et aux enseignants aussi. Les meilleurs, je m'engage ici à aussi les encourager. Et sachez qu'en qualité de représentant de l'État, je serai avec vous, comme le disait tout à l'heure le président du Conseil régional. Et suivons cette fois ces quelques réactions qui ont été prises après la remise, notamment au prix pour les lauréats. Professeur, mes chers camarades, professeur, madame, monsieur, honorable invité, permettez-moi d'abord vous souhaiter la bienvenue au sein de notre établissement. Nous sommes rassemblés aujourd'hui ici pour marquer, encourager, récompenser les élèves qui sont distingués lors du premier trimestre. C'est aussi une occasion d'inciter les élèves à travailler davantage et de maintenir les caps vers l'avant. Chers camarades, rappelez-vous toujours qu'un échec n'est pas la fin de tout. Lorsqu'on tombe, on se relève en ayant accueilli l'expérience. Finalement, je vous remercie de nous avoir donné honoré de votre présence. Je vous remercie. Cette journée ou cet événement spécifique, unique, dédié aux élèves de cet établissement, sous l'égide de monsieur le principal, un très jeune, dynamique principal, monsieur Hassan Omar Dato, qui a eu cette initiative et cette idée originale d'impliquer les élèves beaucoup plus dans leur apprentissage et dans leur réussite, en les motivant par la récompense, par la célébration des journées. Les professeurs, les enseignants de cet enfant, nous nous réjouissons bien sûr de cette réussite, de ce succès. Et nous vous promettons, chers parents et chers responsables de la région, que nous continuerons d'œuvrer en ce sens afin d'hisser un peu plus loin les élèves et
les conduire vers l'autonomie, vers la succès. Et soyez sûr d'une chose, Obok sera au rendez-vous des réussites nationales, Inch'Allah. Dans le cadre de l'élaboration du plan de développement régional intitulé PDR 2021-2025 de la région de Tadjoura, un atelier de présentation des rapports socio-économiques s'est tenu hier dans la bibliothèque du lycée technique de Tadjoura. Objectif étant de présenter aux membres du comité de coordination du développement régional, les résultats de l'étude diagnostique de la région menée par le comité de planification en charge de l'élaboration du PDR 2021-2025, et ce afin de planifier, de prioriser notamment les investissements, les réalisations dans la région pour les 5 années à venir. Les participants à cet atelier donc notent notamment la présence du président du conseil régional, le préfet de la région, les représentants d'Expertise France, le comité de planification, les membres notamment composés des conseillers régionaux, des représentants des services déconcentrés, des sous-préfets et des responsables coutumiers de la localité. Et pour plus ample explication sur cette journée, je vous propose de suivre le mot du préfet de la région. Le développement régional vise les objectifs et priorités du développement de la région en fonction des besoins économiques, sociaux et environnementaux. Il contient principalement la vision et les orientations stratégiques de la région, mais aussi des plans d'action sectoriels et les schémas de financement. Ces objectifs ne sont autres que la planification des actions qui répondent aux besoins de la région, la priorisation des programmes et des projets de développement qui tient compte des attentes de la population locale, et enfin la valorisation des ressources naturelles, économiques et humaines de la région. Par conséquent, cela va permettre de produire une véritable dynamique de développement territorial qui met en synergie les acteurs du territoire, d'utiliser efficacement les ressources disponibles, de concilier le développement territorial avec le développement local en améliorant les conditions de vie de la population, et enfin de conserver et protéger l'environnement. Le nouveau PDR 2021-2025 est donc l'instrument de référence permettant de guider les actions liées au développement de notre région pour les 5 prochaines années. Son actualisation tient compte des changements économiques, sociaux et environnementaux et de l'expérience de la mise en œuvre des précédents instruments référentiels en matière de développement territorial. Que les services déconcentrés de l'État sont les acteurs importants dans le processus de développement territorial et ils accompagnent les initiatives locales. Je tenais à réitérer mes sincères remerciements à l'Agence d'exécution du programme ADIL, Expertise France, les autres partenaires et tous ceux qui ont accompagné et qui accompagnent encore la région de Tadjoura dans l'élaboration de nouveaux plans de développement régional. Et nécrologie pour clore l'actualité nationale, nous avons le regret de vous annoncer le décès de feu Ahmed Darar Egué, survenu ce matin à Djibouti. Né en 1972 à Alissabié, il a commencé sa carrière dans l'enseignement en 1995 et laisse derrière lui une grande famille, dont une veuve, 7 enfants, partageant la douleur de la famille et présentant nos condoléances notamment au sous-préfet et à l'ensemble de la population de Mouloud et priant le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et dans la crise ukrainienne, nous allons parler notamment de cette nouvelle séquence diplomatique à Brest. Après Genève et Bruxelles, les ministres de la Défense de l'Union européenne se sont réunis à Brest en France pour 2 jours. Objectif de cette réunion est de discuter de la sécurité du continent et notamment de la crise ukrainienne. Cette séquence diplomatique suit celle qui s'est déroulée ce mercredi au siège de l'OTAN à Bruxelles, où les États-Unis et leurs alliés européens ont engagé des discussions avec Moscou pour tenter notamment de désamorcer le risque d'un nouveau conflit en Ukraine. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.